Bienvenue sur notre tutoriel concernant la pop-up des notifications de vente. Celle-ci se trouve sur tous nos packs sur le Phantom Theme. Pour l'ajouter, rendez-vous dans le groupe de section pop-up, ajouter une section pop-up notif de vente. Afin de pouvoir la paramétrer correctement, activez le paramètre afficher la pop-up fixe pour le paramétrage. Même si vous laissez ce paramètre coché, ce n'est valable qu'en édition. Et donc vos visiteurs ne le verront pas. Vous pouvez choisir de parcourir les produits à travers une collection spécifique que vous aurez définie dans votre administration, ou alors, si vous n'en définissez pas, l'application travaillera avec la totalité des produits de votre boutique. Vous pouvez choisir le délai entre chaque notification et le nombre total de produits à afficher, en sachant que l'ordre des produits se fait de A à Z si ça concerne la collection tous les produits. Vous pouvez également choisir l'emplacement de cette pop-up, et ensuite, un style carré ou arrondi, une bordure autour de celle-ci, également une ombre, et encore la couleur du texte ou de l'arrière-plan du contenu. Vous pouvez naturellement modifier le nom des villes et le texte directement dans les traductions par défaut en allant sur les trois petits points juste en haut, modifier le contenu du thème par défaut, et par exemple ici, si je tape Perpignan, et ici je peux aller chercher par exemple Pop-up Orders Notif, et j'aurai donc tous les textes définis par rapport à cette pop-up. C'est tout pour ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura été utile, et si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre.